Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live des lundis de l'esthétique. La semaine dernière a été particulièrement riche en émotions vu que ça y est, nous avons la date du prochain congrès international esthétique et spa qui se déroulera les 9, 10 et 11 octobre 2021 à Paris, porte de Versailles, là où nous avons l'habitude de nous retrouver. Et puis, il y a eu aussi l'annonce de notre nouvel événement, les rencontres esthétiques et spa. Cet événement se déroulera le 8 mars 2021 au sein de l'hôtel 5 étoiles Paris Arc de Triomphe Renaissance. C'est un concept tout à fait inédit, innovant, moderne, car chaque exposant vous accueillera dans sa suite privatisée pour l'occasion. Cet événement, exclusivement réservé aux décideurs de l'esthétique et du spa, vous permettra d'échanger, de tester les machines, les produits dans un cadre extrêmement feutré et en toute confidentialité. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez le lien en commentaire. Allez, c'est parti pour le live des lundis de l'esthétique. Si l'esthétique traditionnelle ne vous semble pas évoluer suffisamment, si l'esthétique traditionnelle vous semble commercialement compliquée, si vous en avez assez de vous battre avec des prix sur des mêmes cartes de points, s'il vous semble étrange de proposer les mêmes points minceurs à toutes vos clientes, alors cette intervention est faite pour vous. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de l'intervention. Nous y répondrons petit à petit. Alors, pour aborder le sujet, comment devenir expert minceur et anti-âge, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Pascal Weigel, fondateur de BS Innov, Lisiane Lacharme, responsable stratégie et marketing chez BS Innov, et Alexandra Vielle, gérante du centre Synergie EO de Deux Cabines à Hénouville dans l'Oise. Alors, bonjour à tous, bonjour Pascal. Le titre de cette intervention est « Comment devenir expert minceur et anti-âge ». Pourquoi avez-vous souhaité aborder ce thème? Mais parce que déjà, c'est une passion. Bonjour Laure, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est une passion qui m'anime déjà depuis plus de 20 ans et qui est sans cesse en cours d'évolution. Si vous voulez. Elle est à la fois en évolution chez nous au sein de l'entreprise, puisqu'on est connu pour être des précurseurs sur certains points qu'on va aborder évidemment plus tard. Mais c'est une profession qui se spécialise. Et donc, quand on spécialise une profession, il paraît nécessaire et utile pour nous de nous adapter au mouvement du marché et de proposer des solutions toujours plus innovantes. Voilà. Vous me connaissez depuis une dizaine d'années à peu près, voire plus même. Hein. Et j'ai un parcours un petit peu particulier. Je ne sais pas si j'ai le temps de me présenter rapidement, Laure. Alors, rapidement, allez-y. Rapidement. Alors, je vais vous expliquer une différence qui me paraît fondamentale, si vous voulez, sur ce marché-là. C'est qu'à la base, moi, je ne suis pas un vendeur de machines, bien qu'aujourd'hui, je pourrais presque porter cette étiquette. Mais je suis professionnel de santé, je suis infirmier de secteur psychiatrique, j'ai travaillé 3 ans dans la neuroscience, je suis électrophysiologie, je suis ostéopathe, je suis phytothérapeute, je suis nutritionniste, et je passe et j'en passe. Et en fait, c'est tous ces métiers-là, tous ces diplômes-là, ces formations m'ont amené à un consensus global, c'est que l'organisme, le corps humain est un ensemble et un tout. Et ce qui me paraissait bizarre dans la minceur, et on va l'aborder largement tout à l'heure, c'est qu'en général, on dissèque les gens dans des protocoles uniques. Et ça m'a toujours paru extrêmement bizarre, voilà, de par mon parcours. Et j'ai expérimenté ça, évidemment, dans la pratique, puisque j'ai été directeur d'une clinique de médecine esthétique et de médecine alternative à Genève. Et ça a été le point de départ, si vous voulez, ces 15-20 dernières années de mes réflexions et l'aboutissement aujourd'hui au sein de BS Innov de notre prise en charge. D'accord. Alors, aujourd'hui, BS Innov, c'est quoi? Alors, c'est une entreprise qui est née, je ne sais pas si vous vous souvenez, Laure, mais la première fois qu'on se croisait, c'était une autre entreprise que j'avais qui s'appelait LFPW. Ça s'appelle les formations Pascal Weigel. En fait, j'étais formateur et mes stagiaires, les personnes qui venaient à moi me disaient, mais oui, Pascal, mais tu nous apportes la connaissance sur la physiologie, sur comment ça fonctionne.
mais tu nous apportes pas la solution technique, la solution en nutrition. Là. Voilà. Et donc, il a fallu que je réfléchisse, ça a pris quand même 4-5 ans. BSINOV est né de cette réflexion-là, c'est qu'il fallait armer des outils de travail derrière la préconisation physiologique. La connaissance, c'est parfait, c'est très bien et c'est le cœur même de notre métier, mais il fallait amener des outils technologiques derrière. Et donc, avec un ingénieur français, on a créé effectivement un certain nombre de réponses technologiques à la physiologie. Et BSINOV est né comme ça. BSINOV est une société qui essaie de prendre en charge à la fois la compétence à 360 degrés, autant que finalement la compétence terrain des clients que nous accompagnons au quotidien. Voilà, d'accord. C'était... Et alors, qu'est-ce que BSINOV a créé pour se différencier? Ah ouais, ça, c'est un vaste sujet. Alors, on a créé déjà un parcours de formation. Il n'y a pas plus spécifique que ça. Je ne peux pas considérer qu'en minceur, en anti-âge ou voire dans la dépilation, puisque ça, c'est un de nos derniers métiers, les derniers nés en tout cas dans la gamme, on ne peut pas arriver dans la minceur, puisque c'est le sujet du jour, je vais garder ce thème-là, on ne peut pas arriver dedans sans avoir un certain bagage de physiologie, de nutrition, de psychologie, tout est lié et connecté, on en parlera. On ne peut pas arriver dans ce métier-là pensant qu'une machine va être la solution idéale, adéquate à toute problématique, ce n'est pas vrai. Donc, la première des choses, BSINOV, c'est un cursus de formation. Ensuite, BSINOV, c'est un équipementier. Nous sommes propres fabricants de nos technologies. Cocorico, nous fabriquons en France. Toutes nos technologies sont fabriquées en France. Nous fabriquons de la cavitation, des ondes courtes. Nous fabriquons de l'électrostimulation musculaire avec un brevet spécial. Nous avons des spécificités parce que la physiologie m'a appris qu'il fallait adapter une réponse, pas dans le phénomène de mode. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de mode dans notre métier. Et je me méfie de ces phénomènes de mode parce qu'ils viennent, ils arrivent, ils font un buzz et puis ils disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils ne sont pas viables physiologiquement parlant. Donc, quand je fabrique mes technologies, je les pense avant tout être capable de répondre à nos problématiques physiologiques. On va peut-être en parler un petit peu, mais je vous donne un exemple, alors, si vous voulez. Un exemple de ce qu'est BSINOV et de ce qu'est cette approche que nous commercialisons, ouais. L'approche de compétence surtout. Si, peut-être pas vous, puisque vous n'êtes pas au cœur du métier, mais si une esthéticienne m'écoute, je suis certain que certaines d'entre elles ont remarqué qu'il y a des problématiques de genoux gras, par exemple. Des clients qui viennent et qui se plaignent d'un genou, d'un petit bourrelet de gras autour du genou. Et on a entendu parler dans les thérapeutiques qu'il fallait faire du drainage, qu'il fallait faire du drainage lymphatique, notamment des choses comme ça, la cavitation, des choses. Bref, c'est très bien, sauf que, eh bien, la différence que nous allons faire, c'est la compétence, c'est-à-dire c'est la connaissance de la problématique de fond et à l'origine. L'origine du problème d'un genou gras vient d'un déficit d'hormone de croissance, qu'on appelle l'hormone GH. Et cette hormone de croissance, elle est sécrétée notamment la nuit. Et donc, ça veut dire quoi? Que si je dors mal et je ne sécrète pas assez de cette hormone de croissance, je risque d'avoir sur mon esthétique un impact direct, c'est-à-dire d'avoir du gras autour du genou, parce qu'en finalement, je dors mal de l'autre côté. Donc, quel est notre métier à nous? Eh bien, c'est d'enseigner ces compétences-là. Évidemment, c'est un exemple parmi d'autres. C'est d'enseigner cette compétence-là à des esthéticiennes, d'être capable de faire un bilan complet et du coup, d'adapter une thérapeutique, d'adapter des soins en fonction de la problématique. C'est-à-dire que si je traite avec un complément alimentaire, je vais traiter le sommeil de la cliente, elle s'en rendra même pas compte, elle dormira peut-être mieux. Mais par contre, moi, mon traitement sur le genou avec les ultrasons que je vais utiliser va être d'autant plus efficace et durablement parlant. D'accord. Voilà ce que c'est BSINOV. D'accord. Donc, on l'a vu, vous êtes fabricant de technologies, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste 3D minceur? Oui, alors 3D Minceur, c'est la méthodologie que j'ai créée il y a maintenant pas mal d'années en arrière, qui consiste, c'est pour ça qu'elle s'appelle 3, il y a 3 dimensions. La première des choses, c'est qu'on va utiliser la nutrition. On a un logiciel de nutrition qui va accompagner les prescriptions. C'est un rééquilibrage alimentaire, hein. C'est pas un régime, c'est pas ces choses un peu horribles que j'entends à gauche à droite, c'est de la rééquilibration qu'on va faire. Ensuite, on va utiliser des compléments alimentaires, par exemple, pour traiter l'exemple même de tout à l'heure, le sommeil de ces clientes
qui va impacter l'esthétique. Donc, on va traiter le sommeil, le système digestif, le système neurologique, le système vasculaire, des choses comme ça. Et ensuite, on va utiliser les technologies qui sont des accélérateurs de processus. Nos technologies sont prévues pour rééduquer le système musculaire, le système lymphatique, le système lipolytique. Et on va travailler en synergie avec, avec ces trois approches-là. C'est pour ça qu'on a appelé ça 3D minceur notamment. Et on a, je rajoute un petit cocorico, en France, un ingénieur qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là et qui a su me fabriquer une technologie qui est la seule capable de lipolyser, drainer le système lymphatique et créer de la combustion des adipocytes en même temps, je dis bien en même temps, dans la même séance. Ce n'est pas l'un puis l'autre puis le troisième, c'est vraiment en même temps. On est arrivé aujourd'hui à un concept de soins qui, en 35 minutes, va lipolyser, drainer et brûler en même temps. Voilà, ça, c'est l'innovation qu'on a voulu apporter dans le domaine de l'esthétique, notamment. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous avez créé EO ? Ah, EO, c'est autre chose. EO, c'est l'évolution même de toutes les technicités que nous avions. Parce que nous sommes fabricants de technologies dans le domaine de la minceur. Nous sommes importateurs d'une technologie d'innovation dans le domaine de l'anti-âge. Je n'ai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. Et nous sommes co-fabricants d'un système de lumière pulsée, d'une technologie Proteus de lumière pulsée. Et tout ça réuni ensemble, je me suis dit, ben, là, on a trois pôles, si vous voulez, de profit, trois pôles économiques qui sont capables d'enrichir, si vous voulez, un centre de soins et de faire évoluer le chiffre d'affaires d'un centre de soins. Qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, il lui manque, j'allais presque dire, il manque Lysiane qui est avec nous aujourd'hui, il lui manque le savoir communication. Voilà, il nous manquait ça pour englober toute la pratique, c'est-à-dire la compétence et les technologies. Et maintenant, il faut savoir communiquer. Ça veut dire qu'on peut avoir la meilleure technologie au monde. Si on ne sait pas le dire aux autres, ça ne sert à rien. Donc, le nerf de la guerre actuellement, c'est la communication. EO, c'est une licence de marque. Une licence de marque qui s'adapte à tous les centres existants. Alexandra pourra nous en parler deux mots tout à l'heure. Et elle pénètre dans un centre de soins existant. Elle s'installe dans le centre de soins, mais en réalité, c'est qu'on va revisiter le centre de soins et le transformer, amener un centre de soins à devenir un centre. Nous, on appelle ça un cabinet d'expertise minceur et anti-âge. D'accord ? Nous ne travaillons pas dans l'esthétique traditionnelle. Ce n'est pas notre positionnement. Je n'ai absolument rien contre, hein, attention. Mais ce n'est pas notre positionnement. Nous, notre positionnement, c'est de créer des cabinets d'expertise minceur et anti-âge. Comme si vous alliez chez le médecin, chez le spécialiste, quelle que soit la profession, vous allez avoir une personne derrière un bureau qui va vous checker de A à Z pour pouvoir faire de ce qu'on appelle de la prophylaxie esthétique, c'est-à-dire comprendre les mécanismes à l'arrière qui vont avoir un désordre esthétique, un relâchement, un surpoids, de la cellulite, les fesses, les seins qui tombent. Ça a une explication, on sait l'expliquer. Maintenant, faut-il acquérir cette compétence ? Voilà. D'accord, donc on a bien compris votre système de fonctionnement par rapport à la minceur, mais vous ne faites pas que ça. Non, absolument. On a développé avec un laboratoire allemand un concept très particulier en anti-âge qui va coupler finalement un traitement de fond dans la même philosophie que la minceur. C'est-à-dire qu'avant de commencer à traiter quelqu'un et lui mettre des produits sur le visage, on va essayer d'abord de détecter les causes. Vous savez, quand un œil est foncé ou on a des poches sous les yeux, eh bien, ça peut être lié à des hormones, ça peut être lié à un problème hépatique du foie, ça peut être lié à une hygiène alimentaire. Donc, on va prendre la personne dans sa globalité, une fois de plus dans l'anti-âge, et on va lui administrer un traitement, un suivi, un protocole de soins. Vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ce sont des soins chez nous. Et un traitement à travers l'utilisation des peelings, du micro-needling, très à la mode actuellement. On a la dermabrasion qui vient se rajouter au traitement et on va utiliser, bien entendu, une gamme spécifique très concentrée de cosmétiques à laquelle j'ai adhéré particulièrement puisqu'elle vient travailler en synergie avec la technique, si vous voulez, la technologie, pour corriger une peau grasse, une peau acnéique, des rides, bien entendu, le relâchement, mais tout trouble, tout type de trouble, des taches également, des choses comme ça. La liste est bien longue et je ne voudrais pas trop m'écarter du sujet, mais c'est un concept qui est toujours positionné entre l'esthétique qui est là sur ma gauche, vous le voyez à droite, mais moi c'est ma gauche,
Le médical est à droite et là on est dans l'invasif. Eh bien, nous, nous nous situons chez BSNOF toujours au milieu, c'est-à-dire que nous avons des résultats médicaux avec une prise en charge esthétique, mais poussée dans la compétence. Voilà un petit peu le domaine de l'anti-âge qui nous anime. Et le dernier né, c'est le Proteus, c'est une lumière pulsée dont on est très fier car elle est 100% indolore. Et ça, on en est ravis, c'est une nouvelle technicité absolument géniale. Voilà. D'accord. Quel est votre objectif avec les centres EO? Alors aujourd'hui, nous avons, si je ne me trompe pas, Lisiane me corrigera, je crois, 17 centres EO qui sont ouverts depuis 2 ans. Donc c'est un vrai gros succès. Et nous avons un objectif de 70 centres dans les 5 ans à venir. 70 centres, ça peut paraître peu par rapport à d'autres franchises, mais nous sommes pas une franchise, nous sommes une licence de marque. C'est-à-dire qu'en fait, nous accompagnons nos clients avec la personnalisation de leur centre. On respecte leur goût et leur couleur. Et donc, on va travailler beaucoup plus sur le fond, si vous voulez, du positionnement. Et ça, Lisiane l'expliquera mieux que moi, pour les faire grandir. 70 centres de cabinets d'expertise avec lesquels on pourra communiquer grand public, évidemment. On pourra enfin annoncer ce qui se passe dans nos centres EO au grand public dans pas très très longtemps. Et chez nous, on va créer un cursus de soins pour ces centres EO, c'est ça un peu la différence. Et ça s'appelle la physiosystémie. La physiosystémie, c'est l'art de détecter les causes fondamentales, internes et externes, qui vont avoir un impact sur l'esthétique. Et ces centres EO, ils se différencient d'un centre traditionnel esthétique par cette compétence très particulière. D'accord. Alors, on va maintenant avoir le point de vue d'Alexandra qui est passée à un centre EO. Donc, Alexandra, en 2008, elle avait un institut traditionnel qu'elle a dû fermer en 2014. Et finalement, quelques années plus tard, elle est revenue à ses premières amours, mais en décidant de se spécialiser. Alexandra, bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir, mais en vous spécialisant? Alors, eh bien, parce que le fait d'avoir géré un premier institut m'a ouvert les yeux sur le fait que l'esthétique, l'institut traditionnel devenait déjà très concurrentiel. Ouais. Et on commençait à rencontrer un certain problème de rentabilité sur cette activité-là. Donc ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que en gérant ce premier institut, je m'intéressais déjà énormément à la minceur et que je me retrouvais très régulièrement, donc j'avais un soin minceur à la carte et que je me retrouvais très régulièrement avec des clients qui venaient me présenter leurs problématiques et je leur répondais toujours par la même solution soin. Donc, évidemment, très, très vite, je me suis posé la question de la cohérence de ce que je proposais et de ce que je faisais. Voilà. Donc, le fait, à un moment donné, de prendre un vrai positionnement et d'avancer sur une différenciation, c'est avéré évidente. D'accord. Comment est-ce que vous avez découvert Pascal Weigel? Par hasard. Alors, en fait, j'ai découvert Pascal lors d'une formation qu'il menait aux nouvelles esthétiques. Donc, cette formation, c'était poser le bon diagnostic minceur pour proposer un bon protocole de soins. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, les questions collaient, en fait. Hein. Donc, je me suis dit que peut-être, dans cette formation, j'allais trouver une réponse. Et je l'ai trouvée. Oui, je l'ai trouvé. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en train de faire les travaux donc de mon nouveau centre qui a ouvert il y a un an. Et donc du coup, j'étais vraiment dans une démarche ultra plus que dynamique de trouver ma proposition. Quoi. Et j'ai rencontré Pascal. Le lendemain donc de cette formation, j'avais rendez-vous avec un fournisseur donc pour signer avec quelque chose pour ouvrir, hein, un petit peu à défaut. Du coup, eh bien, après cette formation, j'ai tout arrêté. J'ai appelé les personnes et j'ai tout arrêté. Et j'ai pris le temps de me poser et d'en savoir un peu plus sur le concept de Pascal. D'accord. En préparant cette intervention, Lisiane m'a dit de vous que vous aviez littéralement explosé votre parcours.
Ça vous parle, ça? Ça vous correspond? Alors, oui, c'est ça. Oui, on peut dire ça, effectivement. Et on peut le dire pour plusieurs raisons, en fait. Hein. Déjà, la première, c'est que j'ouvrais un petit peu à tâtons. Donc, j'ouvrais un centre qui allait être à moitié traditionnel, à moitié tourné vers la minceur, mais je ne savais pas encore trop comment. J'ouvrais un petit peu à tâtons. Une fois que j'ai suivi cette formation et évidemment eu plusieurs discussions avec Pascal, avec Lysiane, je me suis rendu compte que j'avais trouvé le partenaire qui me fallait, parce que on ne m'a pas uniquement parlé de cette machine révolutionnaire qui allait faire de mon centre le meilleur centre du monde. On m'a parlé d'une logique de réflexion. On m'a voilà. Et du coup, j'ai explosé ce projet au sens littéral du terme, c'est-à-dire que j'ai quasiment tout enlevé de la carte, j'ai refait toute ma carte et j'ai retravaillé avec Pascal et Lysiane, hein, on a passé du temps là-dessus, j'ai retravaillé un vrai positionnement, une vraie offre, une vraie identité, une vraie image de marque. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait pendant le premier confinement et qui vous a aidé à passer le pas, à exploser? Oui. Alors, j'ai fait pendant le premier confinement quelque chose que personne ne fait et qu'il faut absolument faire, c'est prendre sa carte de soins et étudier la marge nette de chacun de ses soins. Mais du plus petit au plus gros, de chacun de ses soins. Étudier sa marge nette, ça prend beaucoup de temps, hein, parce que les cartes en règle générale sont assez vastes. Il y a une technique pour ça. Et quand on fait ça, et ben on se rend compte de la rentabilité ou non de notre centre. Et je me suis même aperçue qu'il y avait certaines prestations qui étaient à marge nette négative. Ce qui veut dire que quand je faisais le soin, je payais pour faire ce soin. D'accord. Donc, voilà, moi j'ai utilisé le confinement pour ça. Oui, il fallait arrêter cet engrenage. Voilà, il fallait arrêter, il fallait prendre un vrai positionnement et deux, de vraies décisions qui allaient mener le centre à la rentabilité. D'accord. Lysiane, bonjour. Qu'est-ce qui distingue vos centres d'un autre institut spécialisé dans l'anti-âge et ou la minceur? Alors, si je devais réfléchir, je vous dirais deux choses. La toute première, c'est déjà la philosophie dans laquelle l'esthéticienne se place. Quand on vient chez nous, Pascal vous en a parlé, on fait de la physiosystémie. C'est-à-dire que c'est une prise en charge qui est globale. C'est-à-dire qu'une cliente qui va venir dans l'institut peut avoir des envies, mais il peut s'avérer que ses envies soient différentes de ses besoins réels. Donc, c'est l'esthéticienne, la praticienne qui va être la prescriptrice. Elle va donc faire une analyse complète avec un questionnaire pointu, mais aussi avec des outils de mesure précise des statistiques vitales, afin donc d'avoir un diagnostic extrêmement complet. On se base sur des faits et c'est comme ça qu'on peut déterminer un parcours. Donc, nos praticiennes en physiosystémie proposent un parcours complet et peut-être, en fait, la personne repartira avec des soins d'hydratation parce qu'elle en manque profond d'hydratation alors qu'elle pensera qu'il faut un soin acnéique. Vous voyez, ça va vraiment dépendre des besoins. D'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième est que tout chez nous est travailler pour toujours partir sur une rentabilité effective. C'est ce que vous disiez, Alexandra, on repart toujours d'une marge nette, d'une rentabilité, parce que on positionne un job, mais il faut que ce soit rentable et pour mériter le positionnement, il faut quand même que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc, nous, c'est ce qu'on apporte à nos clientes. D'accord. Alexandra, qu'est-ce qui distingue votre centre d'un autre institut? D'un institut classique, ben maintenant à peu près tout, de la carte à la proposition, voilà. Comme disait Pascal, maintenant la cliente qui entre dans le centre recherche cette vraie expertise parce qu'elle a une demande, une volonté sur de la minceur, sur du traitement de la peau, voilà, et elle vient chercher une vraie réponse. Donc par rapport aux instituts de soins qui sont autour de chez moi, ce ne sont même plus des concurrentes en fait. Hein. On n'est plus du tout sur les mêmes prestations, plus du tout.
D'accord. Même question, Pascal. Qu'est-ce qui distingue un centre PO d'un autre institut? Ben, c'est son positionnement. Hein. Alexandra l'exprime de cette manière-là. C'est que je pars toujours du principe, mais c'est mon expérience personnelle qui a parlé, puisque j'ai été détenteur de 300 200 à mon nom à une époque. Et je voyais bien que j'étais noyé au milieu de l'esthétique traditionnelle, un parmi les autres. Et chacun se subdivise, si vous voulez, le petit fromage. Et chacun se prend sa part de marché et ça devient compliqué. Du moment où on est sur une niche de marché avec un domaine d'expertise, vous savez, aujourd'hui, pourquoi l'expertise ? C'est aussi une question intéressante. Pourquoi on en arrive à développer cette expertise ? C'est parce que le comportement du grand public, c'est, excusez-moi, je prends mon téléphone, voilà, je prends mon smartphone, je vais taper centre minceur autour de chez moi et je vais regarder ce qui sort. Et qu'est-ce qui va sortir ? Il va sortir l'expertise, il va se ressortir les franchises, il va ressortir du médical, et voilà. Et souvent, l'institut, il est relégué un petit peu plus loin dans les moteurs de recherche et ça veut dire que ça manque de positionnement. Le centre EO, la licence de marque EO ou les centres qui utilisent la méthodologie, eux sont positionnés justement en haut de la pile puisqu'ils sont dédiés à être des centres d'expertise. C'est vraiment ce positionnement qui va faire la différence. Attention, le positionnement repose sur une compétence. On est bien d'accord. On a des technologies très haut de gamme made in France, c'est pas par hasard. On est du très haut de gamme, tout en étant très abordable. Hein, si vous voulez, on pourra parler des tarifs plus tard, mais on est très abordable en termes de coûts d'investissement, et ça, Alexandra peut le confirmer. Par contre, le positionnement de la communication, l'image qu'on renvoie à l'extérieur par nos pages Facebook, par le site Internet, par la vitrine, par l'accueil même de la clientèle, ce positionnement est totalement retravaillé chez EO. Pour les amener dans cette expertise-là. Et donc, ce positionnement spécifique avec la rentabilité qu'évoque Alexandra, bien sûr. Donc, Lysiane, ce positionnement est quand même plutôt réservé à un segment haut de gamme. Alors, je vais être obligée de rebondir effectivement là-dessus. Il est perçu et il est travaillé pour être perçu comme haut de gamme parce que c'est ce qu'on apporte. On apporte un niveau d'expertise et donc on ne peut pas être en deçà d'un certain niveau de positionnement. Mais c'est réfléchi effectivement pour apporter des prix qui soient accessibles à la clientèle grand public, mais qui rétribuent correctement la praticienne. Et c'est vraiment cet équilibre-là. Donc, c'est pour ça que nous, on a un positionnement au niveau de nos technologies en interne qui est un positionnement, on est sur du haut de gamme, mais du moyen haut de gamme. Donc, en termes de tarifs, ça se ressent aussi à tous les niveaux. Et ça, c'est important de le dire. Quel est l'intérêt pour une esthéticienne de se tourner vers vous ? Alors, la première chose, c'est vraiment la philosophie de l'entreprise même. Chez nous, on ne parle pas de clientèle, on parle de partenariat. On a à cœur de connaître les gens avec qui on travaille parce qu'il n'y a pas de commerciaux chez nous. C'est une chose qui est très, très importante à entendre. Nous ne travaillons pas avec des commerciaux. Nous travaillons en fait en auditant les capacités, on va dire, de réussite de chaque centre. On détermine où sont les points qu'il faudrait modifier et en fonction, on propose des stratégies. Mais on ne proposera pas forcément d'équipement dans un premier temps si on estime qu'il n'est pas nécessaire. Peut-être qu'un effort de formation peut suffire, peut-être un effort de communication peut suffire. On reprend toujours un partenariat. En fait, le partenariat se base là-dessus parce qu'on veut créer du long terme. La réussite des centres, c'est la nôtre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien. Et en fait, bien souvent, je peux refuser de vendre une technologie quand j'estime que la personne, ça ne va rien apporter au bureau, au centre. Ce n'est pas la peine de vendre quelque chose. Bien sûr que ça pourrait être un calcul de court terme. Chez nous, tous les calculs sont faits sur le long terme. D'accord. Alors, Alexandra, vous avez fait le choix de travailler avec BS Innov et en plus, sous licence de marque, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ben oui, sous la licence de marque EO, pourquoi ? Parce que quand on prend une décision de positionner quand même assez très fortement et de prendre une identité et quelque chose d'assez fortement marqué, c'est très difficile d'être seul. Il faut absolument se faire accompagner, je ne dis pas influencer par de la vente de matériel, je dis bien accompagner. Et ça, on le trouve réellement en rentrant dans cette licence de marque parce que on a le soutien du début à la fin.
de trouver vos couleurs et votre identité jusqu'à vous êtes formé à être experte minceur. Tout ça dans la licence EO, et ça passe par plein d'autres choses. Ça passe par un site internet cohérent, ça passe par construire sa carte de soins, ça passe par la communication digitale, par tout un tas de choses, et énormément de formation évidemment. Et on peut pas démembrer tout ça. On peut pas. On peut pas prendre une partie puis pas une autre. Tout ça, c'est lié, c'est logique. Ça s'appelle un positionnement. Et chez BSINOV, c'est ce que j'ai trouvé avec cette licence de marque EO. Donc, quand je vous dis que c'est vraiment le partenaire que je cherchais sans le savoir, eh ben, bah oui, c'est vraiment ça. D'accord. Lisiane, donc, Alexandra a choisi d'être sous licence de EO. Combien est-ce que ça lui coûte concrètement? Alors concrètement, les investissements de départ dépendent un petit peu. Comme je vous l'ai dit, on ne vendra pas quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc l'investissement de départ, il dépend vraiment un petit peu des besoins. On va quand même vous donner une fourchette. Dans les 30 000 euros, on arrive déjà à faire des choses très intéressantes. Ensuite, il y a deux types de redevances. Comme on est sur une forme de licence, on a une redevance de 250 euros par mois, ainsi que 5% du chiffre d'affaires à reverser sur les activités de minceur, anti-âge et IPL qui viennent de chez nous. D'accord. Et avec cette somme-là, de quoi bénéficie précisément l'Institut ? De beaucoup de choses. Donc, effectivement, il va y avoir la partie technologie dans laquelle il y a les formations. Donc, les formations sont faites par Pascal et par une équipe de professionnels. Il y a de la formation aussi au niveau de marketing et communication. Donc là, c'est ma partie. Donc, il y a vraiment cet investissement. On travaille également sur la mise à jour du positionnement de la cliente. Ça, c'est extrêmement important. La conversation tourne autour de ça. On ne pousse pas un positionnement, c'est-à-dire qu'on met en parallèle les valeurs de EO et on regarde où se trouve le lien avec la personne qui ouvre le centre. Et c'est cette communion qui donne le positionnement du futur centre. Donc, on travaille là-dessus. De manière matérielle et claire, tous les mois, il y a des visuels de communication, il y a des outils de communication qui sont mis aussi à la disposition. En fait, on mutualise les outils. Des outils d'envoi d'email, on forme sur Facebook, enfin, on fait plein de choses pour que la personne soit vraiment prise en charge de manière globale. D'accord, mais alors comment est-ce que vous faites pour que chaque institut ait sa communication, que ce ne soit pas standardisé? Mais c'est ce que je vous disais, il y a le travail de mise en avant qui est très, le travail de départ qui est très profond, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître la personne qu'on a en face de nous et on travaille toujours en repartant sur le pourquoi. Chez nous, le pourquoi d'une personne est fondamental parce que c'est ça qui va la rendre crédible. Donc, si la personne sait pourquoi elle se lève le matin, si vous me répondez c'est l'argent, ça ne marchera pas chez moi hein, parce que l'argent ne peut pas être un moteur suffisamment efficace de réussite. La vraie réussite passe par la mission qu'on se fixe. Et donc, c'est en découvrant cette mission-là On va décliner, entre guillemets, l'identité EO pour qu'elle colle parfaitement, par exemple, à l'identité d'Alexandra. Voilà. On a travaillé beaucoup sur son discours ensemble. On a fait beaucoup de tête-à-tête pour qu'elle puisse avoir les bons mots, qui soient les siens. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de la noyer, qu'elle noie ses clients sous un discours. Ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'elle soit elle-même avec ses propres mots pour être convaincante. D'accord. Alexandra, vous voyez quelque chose à ajouter ? Oui, on n'a pas beaucoup parlé de la formation continue. Et pour moi quelque chose qui est absolument indispensable. Et quand c'est en plus votre partenaire commercial qui vous l'offre, eh bien… Il n'y a plus à hésiter, quoi. Donc, se former tout le temps. D'accord. Je vais me permettre de renchaîner, en fait, entre autres, que Alexandra est en train de vous dire, c'est qu'il existe donc cette académie de formation qui est joignable à tout moment et qui vous permet chaque semaine d'avancer sur des thèmes. Et c'est vrai que pour elle fait partie de la licence pour nos licenciés. Et ça, c'est vrai que c'est un des plus fondamentaux. D'accord. Pascal, combien coûte le concept 3D minceur ou la licence ? Alors, c'est vrai que comme fournisseur de compétences et à la fois techniques et intellectuelles,
quand une personne vient à nous et qu'elle ne veut pas, par exemple, rentrer dans le cadre de la licence, qui est tout à fait naturel et normal, hein, tout le monde n'a pas cette velléité-là, ces besoins, ils vont pouvoir s'équiper chez nous de manière isolément. C'est-à-dire que nous avons 4 technologies spécifiques dans la minceur, mais le concept 3D minceur, il rejoint quoi? Il rejoint une bioimpédancemétrie avec un CE médical, un logiciel de nutrition essentiel. Bien entendu, à cela, on va coupler un ultrason basse et moyenne fréquence, qui est une innovation particulière, avec un électrostimulateur qui est le seul appareil à être capable de sélectionner le type de fibre spécifique. Lorsqu'on veut faire de la minceur, ce n'est pas de la musculation. Et lorsqu'on veut tonifier, ce n'est pas de la minceur. Donc, c'est le seul appareil qui est capable de différencier le travail sur les fibres. Donc, tout ça, ça fait partie de la méthode 3D minceur. Il faut compter un budget d'environ 20 000 euros pour entrer dans cette méthodologie-là, j'allais dire que 20 000 euros, puisque évidemment derrière, il y aura toute la déclinaison de la formation dont on vient largement de parler, avec le séminaire annuel, Alexandra a raison, avec une page privée Facebook qui nous permet d'échanger entre clientes. On est en contact permanent avec les utilisateurs de la méthode, bien entendu. D'accord. Donc Alexandra, suite à cet investissement, vos tarifs ont sans doute augmenté. Oui. Oui, ils ont doublé. Ah, doublé. Et c'est bien passé? Oui, enfin, comme je le dis souvent, choisir, c'est renoncer. Donc, j'ai choisi un positionnement qui est forcément haut de gamme de par la compétence, de par la qualité des technologies, de par toute la qualité qu'on peut offrir aux clientes, mmh. aux clients. Forcément, le positionnement n'est plus le même que ce que j'avais auparavant. Mais tout ça, ça s'explique, ça se présente aux clients, ça se fait. Et comme choisir, c'est renoncer, ben oui, effectivement, la clientèle évolue, se modifie, change. C'est un choix et c'est une logique qui suit ce choix. D'accord. Vous m'avez dit en préparant cette intervention que maintenant, vous aviez des abonnés. Oui, je travaille beaucoup par abonnement. Parce qu'en fait, comme vous l'a expliqué Pascal, on est sur un concept de prise en charge globale qui va toucher à énormément d'aspects de la personne. C'est difficile de dire à quelqu'un « je vais résoudre tous vos problèmes en un mois ». C'est pas possible. Or, quand on prend quelqu'un en prise en charge globale, on va commencer par quelque chose, puis ça va évoluer, etc. Et il se peut que dans nos suivis, le premier mois soit extrêmement onéreux, et puis, je dis n'importe quoi, le quatrième et le cinquième, beaucoup moins. Donc, cet abonnement a un double avantage. Donc, pour la clientèle, ça va être de lisser et puis d'être sereine par rapport à son abonnement, à sa dépense dans son objectif. Et puis, l'avantage, évidemment, pour la société, qui est de créer de la trésorerie fixe. Et d'avoir les mains libres aussi pour modifier ou pour faire évoluer un suivi individuel. On a les mains libres. C'est-à-dire que si demain, je veux intégrer un nouveau son avec une nouvelle technologie pour cette personne, je ne vais pas lui dire « Madame, il va falloir rajouter tant ». C'est lissé sur l'année et moi, j'ai les mains libres pour agir. D'accord. Pascal, en quoi est-ce que le concept de l'abonnement est dans la suite logique de votre concept global? Eh bien, parce qu'on est tous différents. On est tous très différents et que, comme je vous l'ai expliqué en préambule, on va évaluer et chercher les causes fondamentales. Or, une cause fondamentale, si ça fait 30 ans qu'elle s'installe petit à petit, des mauvaises habitudes, des déviances au niveau des organes, des choses comme ça ou des problèmes hormonaux, on ne peut pas rêver. Moi, j'ai jamais compris comment ça se faisait qu'en esthétique, on préconisait 12 séances d'une technologie X ou Y. Ça vient de où ce 12? Ça correspond à quoi? Eh bien, physiologiquement, ça correspond à rien, en fait. On ne sait pas combien de temps on peut prendre pour corriger un organisme et pour que ça tienne dans le temps, bien entendu. Donc, l'abonnement est totalement logique dans la mesure où, Alexandra l'a dit, elle a les mains libres, donc elle peut, en cours de route, modifier sa prise en charge, elle peut changer sa technologie, elle peut changer ses programmes, elle peut modifier la nutrition, mais elle va avoir une évolution constante dans le temps.
Vous savez, on a, je dis toujours, on est ce que l'on mange. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on est ce que l'on mange. Donc parfois, enfin, pour ma part, c'est un peu plus long que 30 ans, mais parfois, on a plus de temps à faire dévier les choses. On ne peut pas rêver. Ça, le rêve, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans mon métier. Nous, on est dans le concret. Donc, si on veut avoir un discours qui tienne la route et se positionner comme un expert, on doit arrêter de dire des bêtises. 12 séances, 6 séances, 8 séances. Ce genre de rêve-là, ça n'existe pas. On n'a pas de baguette magique. Je dis toujours que je ne suis pas sponsorisé par Lourdes, n'est-ce pas ? Et que je ne peux pas inventer des solutions miracles. Donc, le corps, il faut lui laisser le temps pour évoluer. Et Alexandra l'a très bien compris. Nos partenaires l'ont très bien compris. Le système de l'abondance, c'est, à mon sens, un des systèmes les plus logiques de l'ordre physiologique et le plus facile à exprimer, à expliquer, bien entendu. Parce qu'en plus, il a l'avantage d'être lissant dans le tarif. Voilà. Alexandra, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à rejoindre la famille BS Innov, les centres EO ? Ben, arrêtez d'hésiter. Non, il faut. Non, déjà, si on est dans l'hésitation, c'est qu'on se pose de bonnes questions. Déjà, donc c'est très bien. Donc, ben, prenez votre téléphone. Je crois que le mieux, c'est d'appeler Lysiane ou Pascal. Chez BS Innov, tout le monde est très disponible. Vous verrez par vous-même. On va vous expliquer. On va expliquer aux personnes qui hésitent pourquoi rejoindre cette famille BS Innov. C'est un changement. C'est un changement de cap. Donc, si on est dans la recherche d'une rentabilité, si on est dans la recherche d'un changement d'activité, si on est dans la recherche d'une spécialisation, d'une évolution de notre profession, mais aussi d'une évolution personnelle, y a des décisions à prendre. Et je crois que la meilleure des décisions, c'est de choisir un partenaire qui vous offre un peu tout l'environnement dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on peut pas démembrer pour réussir, et puis de choisir un partenaire qui est présent, qui va vous apporter la compétence, la technologie adéquate, le suivi, la com. Prenez le téléphone, appelez-les, vous verrez qu'il n'y a pas… D'accord. Est-ce que lorsque vous gériez avant votre institut, vous étiez une esthéticienne traditionnelle, et maintenant que vous êtes une esthéticienne spécialisée, vous vous sentez différente ? J'ai plus de perspectives d'évolution, on va dire. D'accord. Vous êtes plus épanouie, plus sereine ? Comment ? Vous êtes plus épanouie, plus sereine au quotidien ? Oh, ben oui, quand on avance, quand on grimpe en compétences, quand on se nourrit d'un tas de choses, voilà, évidemment, on se sent bien, on a envie d'aller encore plus loin, on a envie d'avancer, on est motivé. Et quand on a de la motivation, qu'on a des projets, qu'on a des visions, ben oui, on se sent plutôt bien. C'est quand on stagne, hein, qu'on commence à pas être bien. Pascal le dit souvent, d'ailleurs, il ne l'a pas dit aujourd'hui, je suis étonnée qu'il n'avance pas. Voilà, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Quand on a cette possibilité, quand on a cette ouverture devant soi, quand on a cette possibilité d'avancer, oui, on va bien et le business va bien aussi. Pascal, quelle serait votre conclusion à cette intervention ? J'ai envie de rebondir sur ce que dit Alexandra. C'est vrai que nous rejoindre, c'est aussi un petit peu abandonner certains réflexes, certaines habitudes. Il faut en avoir le courage. Donc, nous, on est conscients de l'effort, du courage que ça suscite que de rejoindre le domaine de l'expertise. Il faut s'investir en temps, il faut investir parfois de l'argent, pas toujours, mais parfois de l'argent, mais en tout cas au minimum du temps, ça c'est une certitude. Maintenant, si je me trompais, je ne serais plus là pour vous en parler, puis ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Et je suis toujours présent, mes clients aussi, mes plus anciennes clientes, 15 ans, voilà, tout simplement. Elles sont toujours avec nous. Il y en a une avec nous, d'ailleurs, tout à l'heure, que j'ai vue sur le chat, vous voyez, comme quoi on est suivi depuis pas mal d'années. Pourquoi ? Mais parce que ça fonctionne. Ça fonctionne dans la mesure où on doit, Alexandra l'a dit, qui n'avance pas recule, on doit se donner, on est chef d'entreprise, on doit se donner les chances de réussite. Et la chance de réussir aujourd'hui, c'est que le monde bouge dans le sens de l'expertise. Je ne suis pas le seul à le dire, ce n'est pas seule ma parole,
Mais cette expertise-là va amener les gens à un niveau de performance, d'épanouissement personnel. Et ça, on en est conscient. Et je replace bien les choses. On ne vend pas des machines pour vendre des machines. Ce n'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est de créer des centres de compétences. Et donc, les machines, les technologies en font partie, bien entendu. C'était un peu le nerf de la guerre de les développer. Mais ce que l'on a à cœur, c'est les gens qui avancent dans ce métier-là. Et c'est bien là le porte-drapeau, si vous voulez, que vous êtes vous-même, hein, les nouvelles esthétiques. Hein, je vous renvoie ça. Vous mettez en avant des compétences en permanence. Eh bien, j'espère que les gens qui nous écoutent, qui vont nous suivre, pensent bien à la formation. Plus, à se poser les bonnes questions et calculer leur rentabilité pour s'en rendre compte que finalement, c'est la spécialisation, c'est ces domaines-là qui apportent le plus aujourd'hui. Et ça, on en est totalement convaincu. C'est pour ça que je le fais comme ça et que je les encadre finalement de compétences d'autres. Hein. Une esthéticienne n'est pas une communicante de métier. Lisiane est là pour ça. L'équipe de Lisiane est là pour ça. Facebook, c'est un vrai outil de communication. C'est compliqué, ça s'apprend. Tout ça, ce sont des processus d'apprentissage. Eh bien, c'est tout ce que BS Innov apporte, la compétence, des technologies, d'un savoir-faire, un positionnement et la réussite qui va avec. Notre licence de marque parle d'elle-même. Les gens qui utilisent 3D Minceur vous le diront encore plus. C'est extrêmement bénéfique sur l'humain et le financier, évidemment, évidemment. De manière générale, par rapport à la période compliquée, incertaine qu'on traverse actuellement, Alexandra, quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux esthéticiennes ? Je dirais bien que c'est maintenant. En fait, c'est vrai que c'est une période compliquée. On a tous et toutes le droit d'avoir nos passages à vide et de se dire, bon, il y en a ras-le-bol. Bon, voilà, mais il faut se reprendre parce que finalement, c'est une période qui nous offre une chance. C'est une période déjà, qui nous a offert le temps de s'arrêter et de prendre le temps de regarder les choses. Les choses que vous souhaitez regarder, mais là, en l'occurrence, pour le business. C'est ce qui m'a, moi, permis de m'apercevoir que je n'étais pas sur la bonne route avec un certain nombre de soins. Et donc, c'est de prendre cette période très mouvementée comme une chance. En fait, les places s'ouvrent là. Les places s'ouvrent et c'est maintenant qu'il faut investir sur des prestations et des offres à haute rentabilité. C'est maintenant qu'il faut prendre sa place. J'en profite, Laure, si vous me permettez. Pardon, Alexandra, j'interviens là-dessus. Il y a un grand nombre de personnes qui sont venues vers nous durant l'année 2020 pour poser des questions. C'est comment justement sortir de cette période difficile, revenir dans des rendements de chiffre d'affaires assez élevés et on a eu la chance cette année, nous avons fait le lancement d'une nouvelle technologie en IPL, le Proteus, et cette année le Proteus a été un énorme succès auprès de notre réseau client parce que dans l'IPL, on a bénéficié de cette période justement de réflexion que Alexandra citait tout à l'heure, de finalement comment je me positionne, qui je suis, comment je vais évoluer, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir. Et on a eu énormément d'investissements dans cette technique. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des rendements financiers à pas loin de 300 euros de l'heure, lorsqu'on accumule en mode rafale notamment, en mode flash, un petit peu plus. Mais on était sur des rendements extrêmement élevés qui ont un grand nombre, je ne vais pas dire le nombre, mais un grand nombre d'instituts ou de centres et autres nous ont accompagnés dans cet investissement-là parce que c'est dans ces périodes-là qu'il faut investir absolument pour justement se démarquer dès lors que la page s'ouvre. Dès lors qu'on est de nouveau sur le marché, il faut être différencié des autres. Sinon, on est de nouveau noyé dans un tout et on se répartit de nouveau la clientèle et on ne dégénérera pas plus de clientèle. C'est la théorie de la patate pour celles qui me connaissent et la connaissent bien. Il faut amener une innovation au sein du centre qui va faire amener une nouvelle forme de clientèle qui auparavant n'était pas là ici. Ça ne sert à rien d'essayer de d'essorer votre clientèle actuelle. Il faut en faire venir de la nouvelle. Ça, on sait faire, c'est notre métier. Mais là, on a eu la chance d'avoir au bon moment cette technologie qui arrive et qui a sauvé, je pense, un grand nombre de nos centres, de nos clients. Par le courage qu'elles ont eu d'investissement. D'accord. Donc, le conseil de la fin par rapport à cette période, Pascal, ce serait
qui n'avance pas à recul. Et on ne devient pas expert en restant au fond de son canapé, son téléphone portable dans une main, le paquet de chips dans l'autre. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le paquet de chips va vous faire grossir, va vous faire fondre votre portefeuille. Avancez, n'hésitez pas à avancer parce que c'est le moyen de. Alors, s'avancer, il faut être accompagné, hein, évidemment. Alexandra l'a dit, hein, c'est pas tout seul. Mais c'est effectivement pas dans son canapé qu'on va trouver des solutions, ça c'est une certitude. Et c'est ma conviction forte. Voilà, venez dans mes webinaires. J'en ai plein sur la page Facebook BS Innov. Regardez, il y a plein de gens qui nous ont suivis cette année. On était à plus de 100 au premier confinement à chaque webinaire que nous animions parce que les gens, enfin une certaine quantité de personnes ont compris qu'il fallait rentrer dans cette dynamique de développement. Voilà, si c'est un mot de la fin, qui n'avance pas, recule. Voilà, celle-là, je l'aime bien. À tous bien intégrés. Merci beaucoup. Merci Alexandra, merci Liliane, merci Pascal. Et bravo Alexandra d'avoir eu le courage d'exploser votre parcours et d'avancer. Puis on n'oublie pas qui n'avance pas, recule. Alexandra a découvert Pascal Weigl lors d'une formation aux Nouvelles Esthétiques. Il en refait une le 12 janvier prochain. Allez-y, si ça vous intéresse, si vous voulez aussi, vous aussi, exploser votre parcours. Merci beaucoup à tous les trois de votre participation. Vous pouvez revoir cette intervention sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques ou sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques, où vous pourrez également voir et revoir plus de 400 vidéos de 1 minute à plus d'une heure. Leur point commun, c'est de toutes être professionnelles et en lien avec votre quotidien. Je vous donne rendez-vous le lundi 4 janvier pour un nouveau live, un nouveau lundi de l'esthétique avec Dr Renaud sur le thème « Toutes vos clientes sont différentes ». Comment leur apporter une réponse personnalisée? Et si la réponse peut être française, naturelle et 100% manuelle, accessible pour la cliente et rentable pour l'esthéticienne, ce serait l'idéal. Vous allez me dire, ouais, non, mais bon, ça, ce serait super, mais c'est impossible. Eh bien, rendez-vous le 4 janvier à 15h. Alors, vivement 2021, vivement, vite, que cette fin d'année 2020 si particulière arrive et qu'on puisse se projeter en 2021. Je vous souhaite sincèrement que 2021 soit l'année de la reprise pour l'esthétique et le spa. On s'accroche, on garde le cap, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Au revoir.